j'ai préparé. Oh, mais pourquoi tu fais cette tête? Tu viens pas ou quoi? Oh, elle avait envie de rester, alors je lui ai proposé de rester encore quelques jours chez nous. T'es pas contente? Elle est en train de préparer le dîner pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger? Tu sais, la tata gnognon, à mon avis, elle fait toujours des bonnes choses à manger, hein? Tu crois pas? C'est quoi cette grimace? C'est dégueulasse ce qu'elle fait. Je suis tellement bien chez toi, ma petite Mélissa. Et puis je vais vous faire à manger aujourd'hui, tu vas voir. Pour le réveillon. Oui, 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 oui. Est-ce que tu crois que tu as mangé? Je sais pas, mais quelque chose de dégueulasse. Mais je crois aussi. Mélissa, qu'est-ce que tu crois que maman va manger, tata Mélissa? Ah bah alors les enfants, on va bien manger pour le réveillon de Noël, hein? Oh, regardez ce que j'ai préparé! Oh, mais pourquoi tu fais cette tête, Alicia? Oh, mais non, c'est bon! Oh, mais Mélissa, qu'est-ce que tu as? Oh, mais c'est un homard, c'est très 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 bon, avec des petits escargots! Tu voulais manger ça? Non. Mais où est-ce que tu vas, Alicia? Pourquoi tu te sauves? Tu vois, j'avais dit que t'étais content. Non. Oh, ben je m'assois, moi. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, hein. Alors, Julia, tu vois, moi, je te donne un petit peu d'escargot. Non, moi, je suis allergique aux escargots. Oh, comme c'est dommage. Et toi, Alicia, tu veux aussi? Je suis allergique aux crics. Au quoi? Crics? Crustacés? Ça. Ça? Oh! Miam, 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 je vais pouvoir tout manger! Pourquoi tu mets les pieds dans la bassine? Oh, mais tu sais, à mon âge, j'ai toujours besoin d'avoir les pieds au frais. Un petit peu d'eau dans les pieds, ça fait du bien, hein? Alors, Mélissa, tu veux miam miam un petit peu? Oh, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Alors les enfants, vous avez bien mangé maintenant. C'est le réveillon de Noël et à Noël, on reçoit des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau pour nous? Je sais pas. Alors, ma première surprise, ça sera pour Alicia. Mélissa. Ah, Mélissa, tu veux déjà ta surprise? Petite pressée. À la deuxième, ce sera pour Alicia. Un joli cadeau, tu vas voir, tu vas bien aimer ce cadeau, Alicia. Je te donne un indice, tu pourras le mettre dans ta chambre. Et pour le grand garçon, le plus joli des cadeaux. Allez, viens, je te le donne. Ah, vous avez vu? Ça vous fait plaisir?
Regarde, Alicia, tu pourras mettre ça sur ta table de nuit. Regarde cette jolie lampe. Oui. Oh, Julien, t'as vu? Tu pourras mettre ça au mur, hein, dans ta chambre. C'est très, très, très joli. Hein, tu trouves pas? Montre-moi de nouveau. Oh, tu as beaucoup de chance. Alicia, comment tu trouves ta lampe? Bien. Et toi, Mélissa, que je t'ai eu comme surprise? Oh, c'est joli, ça. Alors, on va ouvrir le cadeau à Mélissa. Allez, Alicia, fais pour ta petite sœur. Oh! Ah oh, j'ai trop chaud! Oh là 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 là! Oh, cette canicule! Mais c'est la catastrophe! Oh yo 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 yo! Qu'est-ce que je vais faire? En plus, il y a une clim ici ou il n'y a pas de clim? Oh, il n'y a pas de clim! Oh non, 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 non! Julien! Alicia! Venez voir! Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai trop chaud. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Tu veux de l'eau? Oh oui, t'as des bonnes idées. Donne-moi un verre d'eau fraîche. Avec des glaçons? Oui, avec des glaçons. Ah bah, Tata Gnagnon, t'es ici, je te cherchais partout. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Tata Gnagnon, elle a trop chaud, c'est pour ça qu'Aïssa est partie chercher un verre d'eau pour... T'as trop chaud? T'as préparé un verre d'eau pour Tata Gnagnon? Oui. Avec des glaçons? Oh, j'espère que ça va... Tata Gnagnon, ça va te rafraîchir ça quand même, je pense, hein, un verre d'eau, hein? Oh, merci ma petite Alicia! C'est trop 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 bon ça! Oh, je vais boire un petit peu, hein. Oh! Oh! Oh, mais ça va pas du tout, bah! J'ai trop trop chaud! Oh! Oh, j'ai trop trop chaud! Oh! Julien, fais quelque chose pour moi! Tu veux peut-être une glace? Ah oui, oui, ça c'est bien. Ramène-moi une glace, dépêche-toi, je suis en train d'avoir trop chaud. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te ramener une glace pour Tata Gnagnon. Ouais. Qu'est-ce que tu vas prendre comme glace? Elle a tellement de glace ici, là. Elle a trop chaud, hein, faut faire quelque chose pour elle, là. Elle a trop chaud, là, hein, faut faire quelque chose pour elle. Ouais. J'espère que ça va aller, la glace, hein. Ouais. Oh, Tata Gnagnon, je vais aller te ramener une glace, j'espère que ça va pouvoir te rafraîchir, ça, hein, parce que là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toi, autrement? Oh my god, glace, j'espère que ça va. C'est quel parfum? Citron. Oh, j'adore le citron. Miam, 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 miam. Oh, elle est bonne cette glace-là. Tu manges aussi des glaces comme ça, Alicia? Merci. Tu veux goûter la mienne un petit peu? Oh, je vais pas goûter la glace, elle a touché avec sa bouche. Ouais. Oh là 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 là, j'ai encore trop chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut lui faire du vin avec les serviettes. Bonne idée, viens, on va chercher les serviettes. Ah, j'ai trop chaud. Ah, faites-moi un peu d'air. Ah, ça marche pas. Stop, j'en peux plus. Il faut... Et qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire avec elle? On va la mettre à la piscine. Piscine. Tata Gnagnon, tu vas aller dans la piscine? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Pourquoi tu veux pas aller à la piscine? Oh, j'ai pas l'eau. L'eau, la piscine, elle est trop trop froide. Julien, elle est trop froide la piscine? Oh, elle est chaude. Elle est chaude, elle est à 26. Eh oui, Tata Gnagnon, la piscine, elle est chaude, elle est à 26 degrés. Non, j'ai trop froid. Tu sais, mes vieux pieds, ils supportent pas l'eau froide, hein. Mais si, Tata Gnagnon, allez, vas-y, viens avec nous dans la piscine, tu vas te rafraîchir. Oh, ok. Alicia, vas-y, prends-lui la main et emmène-la à la piscine. On va l'emmener à la piscine à Tata Gnagnon parce que là, avec la chaleur qu'il fait, elle va nous faire une crise cardiaque. Allez, Tata Gnagnon, un peu de courage, tu vas te baigner dans la piscine et ça va te faire du bien. Allez. T'as un maillot de bain, Tata Gnagnon? Non, j'ai pas de maillot de bain. Oh oh, pas de maillot de bain? T'as pas pris un maillot de bain avec dans ta valise? Jeune, elle a pas de maillot de bain. Oh. Comment on fait? On donne un maillot de bain d'Alicia. Ah, mais je crois que ça va pas aller, maillot de bain d'Alicia. Hein. Mais Alicia, tu prêtes un maillot de bain à Tata Gnagnon? Ah, ils sont trop. Oui, je crois que c'est pas la bonne taille. Hein.
Juliane ? Elle a qu'à aller avec les habits. Bah tu vas aller avec les habits, t'as ta gnagnon dans la piscine, hein ? Hein ? Ça va te faire du bien, tu vas voir, hein ? Oh, j'ai pas trop envie, je crois pas que c'est une bonne idée, ça, hein ? Ah, allez, ta gnagnon, va avec Alicia, t'emmène dans la piscine. Oh, j'ai peur, la piscine, je suis sûr qu'elle est super froide. Oh là 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 là. Ah, bonne idée, Alicia. Tu penses à tout, Alicia, hein? Allez, tata gnagnon, on va goûter l'eau. Mets un pied dedans. Oh, j'aime pas les... Oh là là, c'est trop froid, Alicia. Je vais pas dedans. Oh, toi, t'es courageuse. Ça marche comme ça. Oh, allez. Allez, Alicia, tu sais quoi? Va déjà dedans, comment tu pourras l'aider à... Non, je lui montre comment... Allez, va dedans. Oh! Hey, tata gnagnon! Saute dans l'eau aussi, hein! Oh non, non, mais tu sais quoi? Moi je suis vieille, je peux pas aller dans l'eau comme ça, hein! Oh là 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 là! Allez, tata gnagnon, vas-y! Oh là 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 là! Tata gnagnon! Mais tu voulais faire un plongeon, tata gnagnon, quoi? Tata gnagnon, t'as vu comment elle a sauté dans la piscine? Ah, j'y crois pas! Oh là 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 là! Alors, oh, mais. Oh, mais elle est bonne là, l'eau, elle est bonne! Oh, mais elle est bonne l'eau! Hein. Oh là 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 là, ça fait du bien! Hein. Oh! Tata gnagnon, tu sais nager? Montre-nous comment tu sais nager! Bah tu vois, Alicia, la tata gnagnon, elle est contente en fin de compte de dans l'eau maintenant, hein. Regarde comment elle joue bien. Il y a une cape, hein. Oh, je suis trop bien dans l'eau maintenant. Oh, c'est trop bien comme ça l'eau. Oh là 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 là. Hé, Alicia, je vais la faire tomber dans l'eau, hein. Allez, tata gnagnon, va sur la bouée. Ouais, oh, tu sais bien nager comme ça. Ah, tu veux prendre la bleue? Oh oui, la bleue aussi, elle est plus grosse la bleue, hein. Oh, oh. Et t'aimes pas mettre la tête sous l'eau, tata gnagnon? La tête sous l'eau, tu mets pas la tête sous l'eau. Oh, il met la tête sous l'eau. Je vais essayer, hein. Hop là! Oh, ça fait trop bien. Pourquoi j'ai pas été dans l'eau? Ah, oh, c'est trop bien cette piscine là. Oh là 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 là. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai une grosse nouvelle. Je vais aller dire à Alicia et à Mélissa qu'il y a la tata gnagnon qui vient de nouveau chez nous. C'est une grosse nouvelle et je sais qu'ils aiment pas trop la tata gnagnon. Alors on sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Alicia, comment ça va? Bien. Et toi, Mélissa, comment ça va? Bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Bien. Il y a tata gnagnon qui doit venir aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, pourquoi? Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Non. Et elle dort pas chez moi. Ben justement, elle doit dormir chez nous à la maison, hein. Elle dort avec toi, Mélissa? Elle dort avec toi? Non. Non? Toi qui sur la dernière fois, là, t'as dormi chez nous. Oh, attends, j'ai téléphone qui sonne. Allô? Allô? Oui? C'est la tata gnagnon au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, tata gnagnon? Ah, elle vient pas tout seule. Ok, pas de problème, on sera content de la voir, hein. Allez, à tout de suite. La tata gnagnon, elle vient avec sa fille, avec Séraphine. Tu te souviens de Séraphine, Mélissa? Non? Et toi, tu te souviens de Séraphine? Une fois, on avait fait une vidéo avec Chamoyer. Berk. Non, pas elle. En plus... Bah, mais maintenant... Là-bas, il y avait Alicia Julien qui s'est toujours à le rideau. Mais maintenant, il y a un problème, hein. Parce que tata gnagnon, elle devait dormir avec toi,
Et maintenant, il y a Séraphine qui vient. Donc, Tata Gnagnon, elle va dormir avec toi, Mélissa. Et Séraphine, elle va dormir avec toi. Comme vous avez à peu près le même âge, d'accord? Non, mais elle dort sur un matelas par terre. Hein? Elle dort sur un matelas par terre. Ah, ben écoute, c'est l'invité, hein. Faut qu'elle dorme. Sur le lit, hein. Toi, tu te mets par terre, hein. Voilà, vous dormez tous dans, vous dormez dans le même lit, hein. Non, je dors. Oh, avec... ça sonne, ils arrivent là. Oh non! Ah bonjour! Bonjour Tata Gnagnon! Allez, viens, rentre! Mais où est-ce qu'elle est, Séraphine? Oh, mais Séraphine, elle vient demain! Aujourd'hui, elle pouvait pas venir! Elle avait encore l'école! Ah, ok, viens vite, il y a les enfants qui t'attendent en haut! Bon, ben, va être contente, Alicia, comme ça, elle pourrait dormir encore seule aujourd'hui! Oh là là là! Hey, tu vas trop vite, Tata Gnagnon! Alors, les enfants, Tata Gnagnon, elle vient, elle est là! Et Séraphine, elle est pas là, encore aujourd'hui! Séraphine, elle vient demain, hein, Tata Gnagnon? Oui, c'est ma petite fille. Ma grande fille, elle vient demain. Oh, mais toi, t'es la petite Mélissa. Tu fais un bisou à Tata Gnagnon? Non. Tu fais un bisou à Tata Gnagnon? Non. Oh, pourquoi? Quand t'étais petite, tu voulais toujours faire les bisous. Allez. Dégoûtant, mais non! Bon, c'était comme ça, je vais chez Alicia! Yeah. Allez! Donne-moi un bisou, Alicia! Allez, donne-moi un bisou! Mais alors, pourquoi vous voulez pas donner de bisous à Tata Gnagnon? Tata Gnagnon, donne-moi un bisou! Ah, elle fait des bons bisous à Tata Gnagnon. Oh, mais là, je suis fatiguée, Alicia, tu m'as fait courir, hein. Oh là 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 là, je vais me reposer, hein. Mélissa, t'as pas un bonbon, quelque chose pour moi? Non, je vais te donner du bonbon. Oh, Alicia, où est-ce que tu es? Bon, je vais faire à manger, maintenant c'est l'heure, hein. Non. Quoi, Alicia? Le samedi, on mange toujours une pizza tout seul. Oh, les pizzas, c'est toi qui fais les pizzas? Non, on les met juste dans le four. Toi aussi, tu manges les pizzas? Qu'est-ce que tu manges, toi? Oh, j'ai bien mangé, mais non. Où est-ce que je vais dormir, Alicia? Je dors avec toi? Non, avec Mélissa. Ah, Mélissa, montre-moi ton lit. J'ai pas dit. Allez, Mélissa, montre-moi ton lit. Allez, moi je sais où il est ton lit, Mélissa. Je vais aller le voir tout seul. Allez, viens. C'est l'heure d'aller au dodo. Viens. Alors, Mélissa, viens avec moi. Oh, bon, non, Mélissa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette tête que tu fais là? Mais Alicia, on va montrer la chambre à Tata Gnagnon, hein? Malheureux. Ah, c'est pas toi qui dors ici, hein, Alicia. C'est Tata Gnagnon qui va dormir ici. avec Mélissa, hein? Ses pieds dégoûtants. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces pieds, là? Ils sont très bien, ces pieds, là. Plouf. Mais où est-ce qu'elle est, Mélissa? Elle est allée dormir dans... Tata Gnagnon, ça va? Oui, il est très bien ce lit là, super! Bon, je vais voir où est-ce qu'elle est Mélissa, parce que c'est l'heure d'aller au lit là. Hein. Comme toujours, il n'y a personne qui va aller au lit à l'heure qu'il est. Ah bah, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Vous dormez là? Hein? Et Tata Gnagnon, elle dort tout seul? Oui! Et demain, qui c'est qui vient? Séraphine doit dormir avec toi, hein? Non, elle dort là! Ouais, elle doit dormir avec toi, hein? Non, elle dort là! Tata Gnagnon, Alicia! Hey, ah, bonjour Alicia, viens là! Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu! Viens faire un bisou à ta cousine Séraphine! Ben, où est-ce que t'es? Je te vois pas, je fais cheveux! Ah, allez, viens là! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hein? Et elle est où ta petite sœur? Eh ben, elle est où ta petite sœur, Alicia? Je sais. Hein? On va la chercher? Où est-ce qu'elle est? Hein? Où est-ce qu'elle est, la petite sœur? Qu'est-ce que j'ai comme coupe de cheveux, moi? Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Elle se cache? Je lui dis ça. Viens dire bonjour à la cousine Séraphine.
Où est-ce qu'elle est? Viens faire bisous à la cousine Séraphine. Viens t'en boucle, t'as ses genoux. Viens chez moi, viens vite, vite, viens. Tu étais tout pépé quand je suis venu la dernière fois. Mais ça, viens chez moi. Je suis ta cousine. Viens faire un bisou. Berk. Quoi, Berk? C'est quoi, Berk? Viens chez moi. Ah. Mais où est-ce que tu vas? Alicia, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est comme ça, Mélissa? Hein? Bah là, je dors où aujourd'hui? Ici. Où? Ici, par terre? Oui. Non, mais tu rigoles ou quoi? Ah oui. Ah, tu rigoles ou quoi? Non! Moi, je dors sur toi. Moi, je dors sur ton lit, hein? La dernière fois, ah, arrête! La dernière fois, c'était un lit avec un étage en haut, là. Oh, on voit ma culotte, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais t'as toujours ta mini qui est là. C'est mais bien, parle ça. De mon lit. Maintenant, je dois faire mes devoirs. Bah, fais tes devoirs, et puis moi, je dois me reposer un petit peu, hein. Et puis, oh oui, c'est quoi ça? Je dois me concentrer. Hey, ils sont pas agressifs comme ça, hein. Je dois me concentrer, pas. Comment ça, tu dois te concentrer pour faire le devoir? Oui. Ah, j'avais oublié que tu voulais faire les devoirs. Hey, j'avais oublié que tu voulais faire les devoirs. Allez, je me repose de nouveau. Hop là. Oh, ok. Oh, je vais me faire mes ongles un petit peu, hein. Quoi? Mais j'ai seulement commencé, Alicia. On peut rien faire avec toi, c'est pas possible. Je vais pas me concentrer, je fais les devoirs. Arrête, Séraphine. Va lire un livre en haut, je sais pas où, là. Fais ce que tu veux. Ok, mais tu restes pas bah t'es pas amusante, hein. Bah je dois faire les devoirs, pas comme toi. Je sais pas comme toi. Bah écoute, moi je suis en vacances maintenant, hein. Bah pas moi. Oh bah il y a ta cousine qui est là, tu pourrais faire un effort, hein. Non. Mais Lisa, viens jouer avec moi. Oh, bah dis donc, j'ai bien dormi dans ta chambre, hein, Alicia. T'as pas une brosse pour les cheveux, là, parce que bah, mes cheveux vont dans tous les sens. Hé, hey, lève-toi. C'est l'heure, hein. Ah. Oh, y a ta sonnerie qui vient. Bah oui, hein, c'est aujourd'hui, on part aujourd'hui, hein. Quoi Ah, hé, hé. Ah, mais les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. On doit rester encore. Séraphine, on doit rester encore ici. Ah, oui. Quoi? Parce que les frontières sont fermées à cause du Covid. Quoi? On doit rester ici? Eh oui, eh oui. Oh. Alicia, on doit rester ici à cause du confinement. Les frontières sont fermées. Ouais. Mélissa, Alicia, mes super cousines, on va pouvoir rester ensemble, ouais!